Aujourd'hui avec Niort TV, découvrez l'exposition sur les 820 ans d'histoire municipale à l'Hôtel de Ville de Niort. L'exposition s'intitule « Vie municipale et liberté locale du Moyen-Âge à nos jours ». Elle retrace 820 ans d'histoire de la ville de Niort et particulièrement de ses institutions municipales, du temps d'Aliénor en 1203 jusqu'à aujourd'hui. Cette exposition est née de la volonté du maire de commémorer les 820 ans de la charte de franchise accordée par Aliénor d'Aquitaine. Elle donne des privilèges à la ville. On voit que c'est marqué Aliénor, exactement. Et ce texte-là, il est écrit en latin. Et en fait, malheureusement, le document original, il a été perdu, sans doute à la fin du XVIIe siècle. C'est une copie réalisée d'après original en 1615. Le deuxième document à voir impérativement et sans lequel on ne peut pas comprendre le premier, c'est la charte des établissements de Rouen. Là, c'est un document original sur parchemin qui fait 2,66 m de long. On l'appelle charte des établissements de Rouen parce que c'est Rouen qui, la première, a été dotée de ce type de privilège. Et ce document décrit le fonctionnement de l'Assemblée municipale et ses compétences d'alors, qui étaient principalement la justice, les affaires militaires et la police. Il a été restauré il y a plusieurs années de façon à le consolider, mais c'est le document original. Dis-moi. Avant d'être dans la vitrine, en fait, c'est un document qui fait partie des archives de la ville de Niort. L'écriture, elle est illisible et pourtant, je peux t'assurer que c'est du français qui est écrit. C'est à l'envers ou c'est à l'endroit ? Là, vous êtes à l'endroit. Il a beaucoup souffert de l'humidité et il y a des moisissures qui se sont développées dedans. Mais on a réussi à le restaurer et donc le consolider pour que vous puissiez le lire aujourd'hui. Les enfants du conseil municipal, les enfants, se sont associés à l'exposition en réalisant 4 toiles avec des artistes locaux. Chacune de ces toiles représente une période historique. Qu'est-ce que vous avez représenté sur cette toile-là? Là, il y a le nord d'Aquitaine. L'exposition est à voir jusqu'au 3 novembre dans le salon d'honneur de l'Hôtel de Ville.